Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est un peu délicat. Ce sujet, c'est « Est-il possible que mon ex soit très heureux sans moi ?» Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, et c'est triste, et je souris, mais c'est vraiment triste. Il est très possible que votre ex soit très heureux sans vous. La preuve, c'est que vous étiez en couple, il y a eu des soucis et il y a eu une rupture. Donc forcément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'espère même qu'aujourd'hui, votre ex est plus heureux sans vous que ce qu'il l'a été au moment de la rupture amoureuse, obligatoirement. Maintenant, le tout est de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir changer ça, comment est-ce que vous allez pouvoir lui montrer que voilà, vous avez changé, vous allez mieux, les problèmes, vous allez les résoudre ensemble, et puis finalement, vous étiez tout en bas, votre ex, aujourd'hui sans vous, est un peu mieux, et puis l'idée, c'est que demain, vous soyez encore mieux tous les deux ensemble. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, le silence radio, ça exactement à ça, à travailler sur soi, à s'améliorer, etc. Si jamais un jour, vous voyez votre ex très heureux, je sais pas, en ville, ou à un bar, ou avec d'autres gens, ne soyez pas jaloux, parce que c'est un peu le réflexe naturel qu'on a, c'est de dire, voilà, merde, mon ex est en train de passer du bon temps avec ses amis, et ça me fait chier, parce que j'aimerais passer du bon temps avec cette personne. Dites-vous bien que, voilà, vous aviez votre créneau avant à vous, vous avez échoué à la fin sur la partie couple. Aujourd'hui, votre ex est dans un autre créneau, il faut laisser vivre votre ex sa vie, il faut laisser votre ex se reconstruire de tout ça, et après ça, il faut réintervenir, après le silence radio, pour lui proposer une meilleure vie, pour lui montrer que voilà, vous avez changé, votre ex a changé, ensemble vous allez faire des choses géniales, et c'est une super opportunité. Mais ne jalousez jamais le bonheur de votre ex, soyez plutôt au contraire, réjouissez-vous pour votre ex, parce que plus votre ex sera heureux pendant la rupture et plus il sera simple après ça d'arriver à s'en mettre ensemble suite au silence radio. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.